Salut les amis, c'est Christian. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare en mode Warzone. Battle Royale. Cette fois, nous allons jouer en 2K en très bas. Donc, c'est-à-dire tous les paramètres au minimum comparé à la dernière vidéo. Utilisez votre carte tactique pour choisir pour quand la différence de FPS. Donc là, le cercle blanc sur votre carte tactique, vous voyez qu'on est sur 40 et 45 FPS en ultra en 2K. Là, nous tournons pour l'instant dans les 60, plus de 60 FPS. On va voir ce que ça donne une fois arrivé au sol. De l'avion, soldat. N'oubliez pas d'ouvrir votre parachute avant d'atterrir. Vous pouvez utiliser votre parachute pour planer et prendre de la distance sur les autres joueurs. Mais ils risquent d'atteindre le sol avant vous. Fouillez les bâtiments pour trouver des armes et des munitions. Pas du tout la même chose. Les caisses de ravitaillement à proximité émettent un son. Excellent. Les points rouges sur la mini-carte indiquent la position des ennemis proches. Ouais. Maintenant, pourchassez et éliminez-les. Un ennemi atterrit dans la zone, surveillez le ciel. Ouais. Vraiment mauvais. On voit que c'est l'entraînement. Quand en véritable Warzone, ça aurait été un carton. Il est juste en dessous. Hop, on va le chercher. Salut. Bien joué. Changement de chargeur. Salut. Voilà. Et ben donc, on en a pas mal. Alors nous allons en profiter pour faire un petit paramètre de réglage. Hop. Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons voir à gauche les arbres. On va pouvoir devoir s'occuper du méchant. Hop. Nous voyons tous les arcs qui sont sur les côtés. Attention, le gaz se rapproche. Alors que si on choisit de passer en 16/9, vous ne voyez plus tout à fait la même chose. La vision est vraiment plus petite. Cible éliminée. Hop. Voilà, on va essayer 4 arbres, on a la limite. Gaz en approche, déplacement si de la zone de sécurité. 19e. Ramassez des plaques d'armure. Vous voyez même les arbres sur les côtés. Là, donc vous voyez bien l'agrandissement que le 32/9 apporte. Donc on a vraiment plus d'objets de disponibles. Oh, une petite kilo. L'argent peut être utilisé aux stations de ravitaillement pour acheter des séries d'élimination et autres objets spéciaux. Vous pouvez voir que là vraiment. On a un gain. Donc là vous voyez je tourne entre les 60 et 70 FPS. Et je suis en 2K. Alors. Hop. On le laisse passer quand même le plus petit. Alors si vous passez en 3840 par 1080, déjà. Les FPS ont bien changé parce que je tourne à 80 FPS. Donc j'ai déjà pris pratiquement 20 FPS de plus. En qualité très bas. L'argent peut être utilisé aux stations de ravitaillement pour acheter des séries d'élimination et autres objets spéciaux. En 1080p en 32/9, parce que on peut rester si on le souhaite en 32/9. Et là je tourne 90, 92, 97, 108, 109, 111, vraiment. Il en reste plus que 10. On voit qu'il y a beaucoup plus d'FPS que par rapport à des plaques d'armure. À la 2K. Donc ça c'est normal, c'est la différence de pixels, étant donné que le 5000 le 5K comme appelle Samsung
se rapproche donc du nombre de pixels. Un hélicoptère viendra exfiltrer le dernier survivant. Donc énormément plus de. Éliminez vos cibles, évitez le gaz radioactif et atteignez le point d'extraction. De qualité d'image, étant donné que vous voyez beaucoup plus de détails. L'argent peut être utilisé aux stations de ravitaillement pour acheter des séries d'élimination et autres objets spéciaux. Par où vas-tu sortir? Par le haut, forcément. Non? Ah, il y a un fight à côté. On va aller s'intégrer dans ce petit fight. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Hop, 11 minutes 8. Qui me laisse un petit peu de temps. Si je peux faire. Je peux réglage. Hop. On va laisser 100. Okay. Avec ray tracing. Sans le ray tracing. Permettre, voilà. Plus que 5. Terminez la mission. On peut se permettre de tout mettre en ultra en 1080p. Donc voilà, graphiquement ça va changer un petit peu. En termes d'FPS, donc on tombe au niveau des 60 à peu près, 56, 59, 63, une moyenne de 60 FPS à peu près. En ultra 1080p. Il y a plus un chat dans le coin. Full HD, on se retrouve. Plus que 3. Restez sur vos gardes. À 60 fps, sachant qu'on peut atteindre entre les 80 et 100 en très bas. Le gaz est à proximité. Donc c'est une question si on tient bien compte de 20 fps entre chaque. Derrière, forcément. Il en reste plus que deux. L'hélico arrive. Enfin voilà, donc voici pour cette vidéo. Donc on a pu voir la différence entre le 32e et le 16e. Là vous voyez par exemple ce que vous voyez à l'écran. Le 16e demandera plus, c'est bizarre. On verra pas. Déjà, on a pu voir un bon aspect. Hop. Alors là, rien que déjà là, vous pouvez voir. Il vous explique déjà vraiment ce que vous avez avec les différents rendus sur le jeu. Donc 16/10, vous avez vraiment que le petit carré premier d'intérieur. 16/9, le petit carré qui s'agrandit un petit peu sur l'extérieur. 21/9, on voit qu'on commence déjà à gagner un petit peu en information. Donc vous voyez, donc en 16/9, on voit tout juste l'arrière de la voiture. Alors qu'en 32/9, on voit quasiment jusqu'à la porte arrière, limite la porte conducteur. Donc vraiment vous voyez l'ajout d'informations que vous pouvez avoir grâce au 32/9, ce qui n'est vraiment mais vraiment pas négligeable. Alors toc, pourquoi il avait voulu, c'est pas grave, on va enlever ces deux là et on va dire voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo jeux vidéo ou informatique. A très vite, sayonara.